Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais continuer de lire le livre Maître Dragon, le trésor du dragon d'or. Chapitre 11. Le sort est jeté. Roué est estomaqué. Qu'avez-vous fait d'elle ? S'écrie la jeune fille. Où l'avez-vous envoyée ? Ah, mais où étais-je ? Répond Maldred en souriant méchantement. Au même moment, il fait jaillir un autre éclair rouge de son index. Rory flotte de nouveau devant lui. Non ! Rory ! Se dit Yuan. Il voudrait bien faire quelque chose, mais il est figé sur place. Maldred regarde fixement Rory dans les yeux. Il recite et récite une formule magique. Ta volonté n'est plus. Elle m'appartient. Ta volonté n'existe plus. Elle m'appartient. Rory ferme les yeux et quisque dans le signe de la tête. Non, Rory, se demande la mantuane dans sa tête. Rory flotte dans les airs, puis se pose sur le sol. Maldred lance son deuxième éclair vers elle pour lui permettre de bouger à nouveau. Il pointe ensuite le doigt vers Yuan. Il fixe des yeux noirs et brillants. À ton tour, Yuan, dit Maldred. Yuan essaie de fermer les yeux. Il tente de réciter à Maldred, mais il ne parvient même pas à bouger les paupières. Ta volonté n'est plus, recite Maldred. Elle m'appartient. Pas question, hurle Rory. Elle s'empare d'une fiole de potion bouillonnante posée sur la table de Maldred et la lui lance au visage. Une fumée mauve envahit la barbe de Maldred qui se met à hurler. Rory a trouvé une façon de résister au sort jeté par Maldred, se dit Yuan, tout en tombant par terre. Il n'est plus figé sur place. Lui non plus. Rory l'aide à se relever. Il remonte en rien de temps le grand escalier et emprunte un passage. Et entre dans la première salle sur leur chemin. Il y a une grande fenêtre avec des volets en bois. Rory et Yuan se précipitent vers cette fenêtre. C'est verrouillé, dit Yuan en tentant d'ouvrir les volets. Rory s'approche et essaie de l'aider. Yuan remarque alors que la pierre rouge suspendue au cou de Rory s'est mise à briller. Regarde le collier que Dharma t'a donné, s'exclame Yuan. Il s'est mis à briller lorsque Maldred a voulu me jeter un sort, dit Rory. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à m'ensorceler. Cette pierre m'a protégée. J'avais pourtant vraiment l'impression qu'il avait réussi à t'ensorceler, dit Yuan. Je sais. « Je l'ai bien eux, » dit Rory en souriant. « Dharma savait ce qu'il faisait lorsqu'elle t'a donné ce colis et j'ai l'impression qu'il va trouver d'autres façons de nous aider, » dit Yuan en se rappelant la souris dorée qu'il a remarquée un peu plus tôt. Alors qu'il essaie à nouveau d'ouvrir les volets, Maldred entre en trompe dans la salle. « Vous ne m'échappez pas !» glousse-t-il en faisant jaillir un éclair rouge du bout de ses doigts. Au revoir !